Amis auditeurs de Radio M. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce mercredi. Plusieurs détenus poursuivis pour terrorisme sur la base de l'article 87 bis ont quitté la prison tard dans la nuit d'hier après avoir été acquittés de cette accusation par le tribunal de Dar El Baïda d'Alger. Le journaliste Mohamed Mouloudj et ses co-accusés a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 année avec sursis. Il a quitté la prison après avoir purgé sa peine pendant sa détention préventive. 6 de ses co-accusés ont été écopés de la même peine, tandis que 2 autres ont été acquittés. Dans la même affaire dite de solidarité avec les détenus et leurs familles, tous les détenus ont été acquittés de l'accusation d'appartenance à une organisation terroriste par le même tribunal. Rappelons que dans ce dossier, 65 personnes, dont des militants et universitaires, étaient poursuivies. Parmi elles, le militant Lhadi Lassouli et les universitaires Fatih Abriki, Sarah Ladoul et Mohamed Lagouni. Dans la même affaire, une peine de 20 ans de prison ferme avec un mandat d'arrêt international a été prononcée à l'encontre des membres de l'organisation Rached Larbi Zitout, Mourad Dehina et l'ex-membre de la même organisation Yahya Marhouba, Assia Baraki, Nazim Taleb ont également écopé de la même peine. Ils sont accusés d'atteinte à l'unité nationale et complot contre l'État. Le procès du journaliste du quotidien arabophone Chourouq Belkacem Houem aura lieu le 25 octobre au tribunal du Saindé d'Alger. Le journaliste qui est en détention préventive depuis le 8 septembre dernier, poursuivi pour atteinte à l'économie nationale sur la base de la loi sur la lutte contre la spéculation illicite. À Oran, les services de la gendarmerie nationale ont annoncé avoir déjoué plusieurs tentatives de migration clandestine vers les côtes espagnoles en 48 heures. Selon la même source, 79 personnes, dont 14 passeurs, ont été arrêtées avec la saisie du matériel dans 5 bateaux. En Tunisie, 124 migrants ont été interceptés ce mardi par la garde nationale tunisienne alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. Selon les autorités tunisiennes, 3 tentatives ont été déjouées lundi soir et 9 personnes ont été arrêtées à Naples. Par ailleurs, 115 migrants subsahariens ont été secourus selon la même source. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.